Ouais, c'est sûr que cette défaite, j'en prends l'entière responsabilité parce que je dois pas prendre ce genre de but-là. C'est une erreur qui d'entrée nous coupe un peu les jambes, même si derrière je trouve quand même qu'on fait une bonne mi-temps et qu'on se crée pas mal d'occasions, qu'on a une bonne maîtrise dans ce jeu, mais en partant, en perdant 1-0 comme ça d'entrée de match, c'est difficile de gagner ce genre de rencontre. Sur ce genre de match où deux équipes se valent à peu près, la différence se fait, on va dire, entre les gardiens de but. Aujourd'hui, on voit Anthony Lopez qui est décisif, qui est performant, et Steve Mandanda qui est pas bon. Donc, c'est ce qui fait aussi que Marseille perd ce match ce soir. Non, Comme je l'ai dit, c'était un match qui était important, mais qui n'était pas décisif. Aujourd'hui, on est à 3 points, il reste encore 19 journées, on a encore le temps de rattraper ces 3 points maintenant. C'est sûr que c'était important quand même de gagner, parce que c'est un concurrent direct. Mais voilà, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut assumer, continuer et puis faire le maximum pour rattraper le retard qu'on a pris ce soir. Et puis on verra à la fin. Oh, bien sûr que je suis déçu maintenant. Comme je dis, j'assume, ça arrive. C'est arrivé ce soir. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Voilà, maintenant on continue. Merci.